Bonjour à tous, c'est Momotech, et nous voici pour la partie 7 de The Evil Within. Donc c'est parti mon kiki, dans la partie précédente on avait fait une grosse séance baston avec notre camarade Joseph, et on avait revu la femme à quatre bras et sa longue chevelure dégueulasse, et on l'a cramée. Donc là actuellement nous nous réveillons dans l'asile. Et dans la partie précédente aussi, dans l'asile, on se réveille pas pour... Dans la partie précédente, on a été avec cette machine bizarre là, qu'on voit derrière. Et on a dû débrancher trois types. Et on a pu voir aussi un truc avec Ruvik et Leslie. Alors, je ne suis pas sûr, mais ce que nous voyons là, ça doit être un je reviendrai dessus plus tard. Parce que tout d'un coup, ça me fait un lien. You don't look well. You should take better care of yourself. Ah ouais, ça c'est un lieu qu'on va visiter. Photographs. Des photos. A church. Ça bouge. What the hell is that shit? C'est tout noir. Ma lampe. S'il vous plaît. Allô? Ah voilà. Merci, je préfère ça. Alors ça vous voyez là. Le coffre là. Pour ceux qui ont vu pas mal de trailers et qui connaissent le jeu. Bon messieurs, la blague c'est rigolo 5 minutes, hein, mais bon. Écoutez, on va profiter qu'on est là pour utiliser nos clés. Alors, celle-ci, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est quoi là? Merde, des carreaux flash. Bon, des carreaux flash au pire. On s'en fout un petit peu. Du gel vert, c'est toujours intéressant. Carreau électrique. On n'a pas trop de... C'est quoi ça? Bah une autre clé! Lol. Une clé dans un coffre pour ouvrir... On gaspille une clé pour trouver une clé. Ça va être tout du gel vert au-dessus, attendez. On va faire un test. Je rigole, c'est ça. Ah bah, c'est que du gel vert au-dessus apparemment. Et là, c'est que des munitions. J'ai jamais réussi à tout ouvrir. Vous voyez, on a vraiment pas mal à trouver. J'ai oublié de faire une petite chose, attendez, vite fait. Hop, je vais avancer petit à petit. La caméra va bugger un peu. Hop. Excusez-moi. Je gère mon chrono. Hop, voilà. Si j'oublie le chrono à chaque début de vidéo, c'est pas bon. Désolé pour le petit moment d'attente. Alors, comme le micro il est tout près de moi, maintenant, alors, on peut m'entendre respirer. Et on entend ma manette. Vous allez entendre les cliquements. Enfin, la manette, peut-être pas, même la respiration. Mais avec le jeu, le son du jeu, je pense que vous l'entendrez pas. Parce que il y a aussi le son du casque, on peut entendre le son du casque. Parce que quand je termine une vidéo, je réécoute l'audio. Et dans la partie précédente, on entendait la créature à quatre bras. Hello? What the fuck, man? What the fuck is that shit? Voilà. Super flippant le gardien, ce qu'on a vu là, enfin ouais, je crois que ça s'appelle le gardien en VF. C'est un monstre super fort. Très casse-couille. Leslie. Ah ouais, non mais c'est très Silent Hill quand même. Hein. Le gameplay ça se rapproche d'un Resident Evil, mais au niveau de l'ambiance, c'est ça ressemble beaucoup à Silent Hill. Hein. C'est un peu, Sebastian? Entre guillemets, c'est un peu plus soft parce que Silent Hill ça parle quand même de certains trucs avec des viols ou autre hein, sur certains personnages. Mais après en soi,
On est déjà ici? Du coup, j'ai pas pu m'améliorer. Ah, il y a un truc là. Qu'est-ce donc? Ce canon à déballage, je ne peux pas l'utiliser. Qu'est-ce qu'il est long à monter les escaliers? Et là, on est dans un environnement bien éclairé. Alors là, ici, c'est Bastonland. Hein. La perte de contrôle. Là, il y a beaucoup de bastons ici. Là, il doit y avoir des trucs à récupérer. Ah. Tout est fait tomber là. Je peux pas sauter. Je peux pas sauter. Ah, des balles de pépon, il y en a beaucoup là. Le fameux ça je pense en fait c'est autre... ça doit être l'Asie ça. Autre chose là-bas. Merde. Ah! Ouais, bah merci pour toutes les balles. On a gaspillé 3, vous m'en donnez 5, c'est gentil. Mais je peux pas tout prendre. Ah! Une statue qui était cachée derrière cet homme. Je respecte même pas son cadavre, vous avez vu. What the fuck is that? Bah, décidément, Joseph, il dort beaucoup, hein. Joseph! Are you alright? My head wouldn't stop buzzing. It felt like it was about to crack open. But now it's like... I'm starting to get used to it. You seen Kidman? No. Next thing I knew, I was here. I must have blacked out, or maybe I turned again. Inside. Let's go. Let's go. Donc là, c'est grosse séance baston là. Another one. C'est un peu dégueu, il y a beaucoup de monde, il y a un gros. On va en profiter un maximum là pour les... Tiens, prends ça. Ah merde. Merci. Wow. Ça coûte beaucoup là. Ouais, ça a bien marché ça. Génial. Oh, une nonne! Headshot, motherfucker! Bien joué!
On s'en est bien sorti entre guillemets. Hop. Les esquives, tant pis pour le gel vert. Tant pis, tant pis. Ah ouais, là ça va être de la grosse baston là. Carreau de gel là. Je vais en profiter pour me... Ah, je confonds à chaque fois. Impeccable. Je crois qu'il y en a une autre. Ouais, encore une. Alors le feu, c'est une signification aussi, le fait que il résiste très mal au feu. Et ça, nous y reviendrons plus tard. Encore une fois. Mais par là. Il y a le temps de te plaindre. Lol. C'est pas toi qui fais la baston, hein, pauvre con. Hop, une balle nette. Voilà, on voit que les dégâts side. Je vais essayer de tenir un maximum sans utiliser de munitions. Ouais, voilà, là il y en a plein. Boum! Là il se galère. Regardez-le, il se galère. Énorme. Ouais, il va terminer du coup. Du coup, je vais en profiter, je vais jouer un peu. Génial. Waouh, le monde qu'il y a. Ouais, bah écoutez-moi. Ouh, ya, je vais mourir. Ah, c'est con de crever là. Hein. Bon, j'ai pris cher, mais... Non, ça va pas. Là, je vous ai dit, là, ça va être beaucoup séance baston, là. Ah ben, je vais peut-être pour... Je vais augmenter ma vie, je vais en profiter. Let's rest for a minute. We can't keep going at this pace. I think we've got to get out of this place as fast as we can. What about the tower there? We might be able to get a lay of the land. Anything's got to be better than staying here. Ah non, il y a un fusil snipe. Ouais. Le fusil de précision, trop fort comme arme. Une de mes armes favorites en plus. J'ai toujours aimé les armes de précision dans les jeux. À part les jeux multi. Les jeux multi, je suis nul avec les armes de précision. Bon, on va améliorer, on a pas mal de jus. Puis on a une clé. Il y a du jus ici aussi. Du jus de cerveau. Ah, 5000, pas mal. Oh, ça va nous mettre bien ça. Je peux pas prendre des balles là. Ah bah voilà, c'est fini avec ça. Ça nous aura bien servi pour les flingues. Là, ça fait les ongles, je crois là. Ouais. Ouais, l'heure, je l'avais dit, ça change pas l'heure. C'est comme si on était coupé du temps ici. Oh oui, on va se mettre très très bien là. Donc on va améliorer en prio l'endurance et la vie. Enfin surtout la vie, parce que là on est un peu dans la merde. Ah, ça coûte 10 000. Attaque au corps à corps, on verra plus tard. Comment s'en sert un peu. Le fusil à pompe pourrait quand même un petit peu. Ouais, ça coûte cher le fusil à lunettes. Plus ou moins les coups critiques, c'est important. Un peu de stock. Les harponneurs, c'est très très fort. Plus ou moins les carreaux.
Alors, c'est parti. C'est parti pour la baston. Derrière, on a la partie 7, mais le jeu est assez long. Hein. Ça, je pense que c'est, sans compter Diablo, je crois que ça va être l'un des jeux les plus longs que j'ai fait sur ma chaîne. Ouais, bah lui, on le voit direct. Ça, on va mettre dans un raccourci. Hop. Alors, quand vous êtes avec Joseph ici, utilisez le maximum... utilisez-le au maximum, le bougre. Parce qu'il a une super hache. Joseph, il défonce tout le monde. Je sais pas s'il va faire demi-tour, lui. Ouais, je vais pouvoir le planter. Normalement, lui, je peux le planter malgré qu'il ait un masque. Je disais qu'ils avaient un casque dans une des parties précédentes, mais non, c'est un masque. Là, je crois qu'il y a un piège ici. Il va tirer les autres, je crois. Je sais pas si je peux. Oh, la chance. Ça fait longtemps. Il y a Joseph avec nous, là. Waouh, j'ai esquivé une hache. Fusil snipe, j'ai pas cette balle. Ça servira à rien. Ah bah oui. Ah bah j'ai même pas amélioré l'endurance par contre. Tiens, je disais ouais je vais l'améliorer mais je l'ai pas fait. Tiens. Hop là, on est bien. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des petites pertes. J'ai l'impression d'avoir des petites pertes en FPS ici là. Il enclenche même pas les pièges. Wow. Ça va, ça sort bien. Joseph est immunisé au piège. Ah, c'est faux! Une fois qu'il s'en occupe. Ouais, il est parti. Regardez, regardez la puissance du mec. Regardez-le. Voilà. Attention, la précision est demandée. Eh ouais. Voilà. Là, on peut passer, ça sera moché. Ouais, ouais. Mais bon, il y a un mec qui a un peu mal visé, hein. Allez, Joseph. Un peu de soin, ça te fera du bien. Je vais le tuer en... ouais, voilà, en discret, lui. Le problème c'est que je peux pas à cause de ça. Je ne sais plus laquelle qui s'enclenche, celle-là. Ça va, on s'en sort bien. Allez, je me suis fait attraper, je crois. Allez, camarades, on y va! Je suis invincible, je profite de ma frame rate d'invincibilité. Allez, puis je dégomme les tous. L'autre il a une hache sur la tête. Hein. Ah non mais quand vous êtes avec Joseph, en Akumu il doit être très utile Joseph ici. Ah ce bon vieux Joseph. Oh
Oh, les deux d'un coup, je savais pas. Ouais, Joseph, comme toi, hein, ils sont morts. Hein. Ouais, lui là-bas. Il tire où, lui? J'aurais été gommé l'autre là-bas, là. J'ai plus qu'une balle. Ah, c'est foutu. Ça va être compliqué les balles là. Même on a des joues pour la tête, ça a été. Ouais, c'est que j'ai plus de balles. Il est où, Joseph? Ah, il est là. Ah, il y a une porte qu'il faut pas ouvrir dans mes souvenirs. Ouais, enfin bon, la portée, allô? Bon, c'est pas trop grave. Joseph, derrière toi! Joseph, derrière toi! Oh, il va faire me fou... Tiens, prends! Ouais, merci, Joseph. Mais Joseph, reste près de moi, je veux te soigner. Oh là là, mais Joseph, il est... On l'arrête plus, Joseph, là. Joseph est énervé. Oh, c'est la quête de porte. Bah c'est les deux. Ah non. S'il y en a une, c'est un piège. Ça va, là, y a pas de piège. Mais, on a bien fait de voir cette porte. C'est l'autre, y a plein de mecs derrière. Hein. Voilà. On nous met bien. Allons-y, Joseph. Toi, t'as de la chance. Hein. Pourquoi tu ne soignes pas, Joseph, comme dans... Comme je te fais. Très raison de tes villes, hein. Oui. Oui. Admirez ce magnifique bug de cet homme. Ah, monsieur. Il tire de où? Ça tire où? J'ai pas terre à me louper. Voilà. Ah, Joseph! Ça a l'air d'aller, Joseph. Oh. What happened? George! George est de retour! Ah, je peux pas le poignarder. Genre, j'ai de retour. Hein. Et il veut nous montrer qu'il est pas content. Eh bah, ouais. J'avais plus assez de vie. C'est pour ça que je me suis fait tuer. Là, décidément, à chaque fois qu'on croise George, hein, bah, ça se termine toujours mal. Décidément. Je vais me redonner un peu de vie, parce que je pense qu'à partir de ce segment de vie, on se fait un peu one shot. Et ça va, nous ne recommençons pas tout ce bout de chemin. Parce que ça... Ouais, par contre, si, il y a des munitions qui sont en moins. Je veux juste savoir... Ouais, c'est bon. Et puis ça, ça fait tomber le truc là-bas, ok. Allez, s'il te plaît.
Voilà, comme ça on se fera pas one shot normalement, si tout se passe bien. Décidément, les tronçonneuses, ils aiment bien. Hein. C'est ça que je voulais que tu fasses. La physique de ce jeu. Déjà. Ça a été vite. Hein. Chaque fois la deuxième fois, il nous veut. Salut Joseph, comment ça va? C'est dingue quand même, à chaque fois quand on le fait une deuxième fois. Chaque fois quand on le fait une deuxième fois, genre on le défonce sa gueule. Première fois, en fait, on est. Comment dire? On sauve chacun un petit. On sauve à chaque fois un petit truc, quoi. On est équitable, un pour un. Excusez-moi, j'avais du mal à trouver le terme. Bah, tout ça pour du gâchis d'allumettes. Ouais, ça sert à rien qu'on aille. Ça sert à rien d'aller là. C'est quoi ça? Ouais, dans 2 mois, ouais, parce qu'il va avoir une fille. Hein. J'ai gaspillé une allumette. Bon bah écoutez, je crois qu'on va bientôt s'arrêter là. Il nous reste quoi? Un petit peu moins de 5 minutes pour la partie 7. Bon, on s'en sort plutôt bien. Enfin, on s'en sort plutôt bien. Deux morts, ouais je crois. Une par George. Et l'autre je crois que c'était un hanté, je sais plus. Ah oui, là on va devoir jouer au snipe. On va devoir faire le snipe. Tu penses que Kidman est ok? Je n'aime pas qu'ils utilisent nous comme bait. Almost like someone's toying with us. Je ne peux pas bouger. Hang in there. Just a little further. Ils nous font marcher exprès. S'il y a un script qui va s'enclencher là. C'était la guillotine. Bah, depuis qu'il a la hache, il se sent plus Joseph. Hein. Ah voilà, bah, t'as vu sa hache Joseph. Décapité, ouais. Joseph. Alors, séance sniping obligatoire. Alors, c'est parti mon kiki. Alors, il faut pas se louper. C'est très important là. Parce que sinon, c'est game over. Un en moins. Et deux en moins. Hop là. Impec. You okay? Allez Joseph. I'm fine. No need to worry. Dépêche-toi Joseph. Je veux me tirer d'ici. Just let them. Huh? What the hell? It's just a matter of time. It's
better this way. What the fuck? What the fuck? La langue de Shakespeare. What the fuck? J'adore. Bon, on va s'arrêter là. Hein. Je vais vous laisser sur cette partie-là. Ah bah oui, on va finir sur de la baston avant. Cover me. Let's go. Là, par contre, là, Joseph n'aura plus son... Sa magnifique hache, il se sentait plus. Ouais, d'accord, ok. Ok, calmez-vous, messieurs. Je vous dis de vous calmer. Stop on my get down. Ah! Oh merde, je me suis loupé! Oh la loose! Joseph, dépêche-toi! Il est obligé de recommencer. Bon, on finit sur ça, sur une mort. Enfin, sur une mort, non, on va recommencer. Parce que j'ai mal visé l'autre là. Ah putain, il y a un truc qui a explosé, je sais pas ce qu'il a fait lâcher. Ouais, c'est vrai que le carreau immobilisant, même le flash, ça peut être pas mal aussi. Décidément. Ah, j'ai fait la boulette, là. Cover me. Let's go. Let's go. Je sais pas si le flash, ça va être efficace. Ouh. Ah, il y a un truc qui a pété là. Bouya! C'est lui la dynamite, je crois. Bon, c'est bien qu'ils sont si longs à arriver, les gars. Bon, bah, lui il est bugué sur place. Vous assistez à un magnifique bug de cette IA buggée. Il a du mal à venir lui hein. Du coup moi je me gratte un peu la tête. Lol, ils font genre qu'il y en a plusieurs là. Lol. Joseph, are you all right? Bon, et bien voilà, je vais vous laisser sur cette fin de la partie 7. C'est con, on a eu une mort stupide, et puis par contre, bon, on a eu un magnifique bug d'un déhanté. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt pour la partie 8, déjà la partie 8. Sur ce, je vous dis à très bientôt, salut à tous.